Alors, nous allons jouer les deux sonates de Ravel, donc la sonate posthume, qui a été écrite autour de ses 20 ans, et une beaucoup plus tardive, qui est le mouvement perpétuel, ce premier mouvement. Et entre les deux, intercaler la sonate d'une compositrice toulousaine qui s'appelle Marguerite Canal, voilà, qui est à peu près aussi de la même période, 1920, qui est dans les mêmes tonalités, les mêmes parfums. C'est une certaine féminité qu'on retrouve assez rarement, je trouve, dans la musique. Enfin, j'allais dire très explicite, quoi, quelque part, avec des thèmes d'une grande sensualité. Mais on aimerait vraiment que cette sonate de Canal plaise, ou en tout cas interpelle. Voilà. C'était important pour nous de le faire à Toulouse aussi, dans cette magnifique auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines. Et voilà, on revient à des souvenirs d'enfance, ce qui va bien avec Ravel finalement. Mais on connaît ces lieux, on a passé nos examens, nos auditions, on connaît bien ces lieux et on se sent un peu comme à la maison.